Ça sent encore la douille. Ah, c'est ça qui voulait être la vibration. C'est pour ça qu'on nous la met. Allez, ciao. Oh, ce spectacle, franchement, énorme. Énorme, énorme. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une recherche silure brochet. Parce que depuis l'ouverture, en fait, du 24 avril, j'ai pas réussi à déclencher un brochet. Donc là, je suis sur un petit secteur où je sais qu'il y a éventuellement du silure. Donc c'est pour ça, là, l'objectif, ça va vraiment être de taper un beau fish, j'espère, je croise les doigts parce que là ça fait vraiment, depuis le 24 avril je sors à la pêche quasiment tous les jours, à part les chevennes et tout que vous avez vu dans les dernières vidéos, mais là quand je recherche le brochet, il n'y a rien. Alors là aujourd'hui voilà, objectif, brochet. Donc allez c'est parti, on part sur un petit cours d'eau là bien sympa, puis bah on croise les doigts, allez c'est parti. Ils ont taillé des arbres, ça ne va pas m'empêcher de passer. Non, what the fuck? C'est quoi ça, des carpes ou des silures? Oh, je sais pas si on voit les mecs. Guettez là-dessous. Il y a des trucs à la surface. Ah, c'est des silures ou des carpes? Regardez, ça vient vers moi. Alors, petit silure ou carpe? J'ai pas pris mes polarisantes. Je vais tenter un petit coup. En tout cas, il y a du poisson. Là, ils sont vraiment dans pas beaucoup d'eau. C'est pour ça, je pense que ça m'étonnerait que ce soit des carpes. En tout cas, ça trace parce que ça m'a vu. Bon, j'opte personnellement pour des carpes. Je voulais remonter la rivière, mais du coup, je vais peut-être descendre et voir qu'est-ce que ça peut être. Ah là-bas c'est pareil, ça bouge. Donc clairement j'opte pour des carpes. Ça avait pas l'air très très gros. On va quand même aller faire quelques lancers. Pour vous dire dans quoi il nage, regardez. Allez, il y a 20 cm d'eau. Je sais pas pourquoi il remontait. Je me suis dit, comme il n'y a pas de soleil, je vais pas prendre mes lunettes, mais bon. Comme quoi, toujours prendre ses polarisantes avec soi. Ah, c'est pareil ici aussi, regardez les carpes là. En train de remonter. Là-bas, ça bouge aussi. Ah si, c'est des carpes. Ah, il y en a une belle là, au pied du nénu là. Je sais pas si on la voit. Elle est juste là. Hop, vas-y que je pars. Je vais tenter ça. Avec la petite palette. Peut-être qu'ils veulent des étoiles dans les yeux aussi. C'est ici que j'ai fait mon gros silure l'année dernière. Estimé à 1m10, 1m20. Il y en a d'autres, j'avais fait sous le chêne là, si sous le chêne là-bas.
Ça sent encore la douille. Ah, c'est ça qui voulait être la vibration. Ah, cool. Couleur orange, comme la dernière fois. Bon, c'est pas gros. Mais ça se défend quand même. Tiglan, sûr. Vu quand que ça me sonde. Ouais, c'est ça, Glan. Ah, c'est ça qui voulait de la vibration. Putain, mais il se défend en plus. Il est pas gros. Hein. Mais regardez-moi ça quand il me la met. Eh ouais, Glanus. Oh la vache. Putain, c'est quoi ce combat? Hein? Non, il est pas gros, mais bon. Eh, il sait pas faire, hein. Si je pouvais choper mon gant. Yo! Ah, t'es piqué, hein, que tu te dises. Ah, il voulait de la grosse vibration, c'est ça, de la grosse cuillère de sale. Le temps roule pas, mon pote. Putain, t'es un moitié mal piqué en plus. Il fight en plus. Putain, mais il veut pas en plus, c'est dingue. Eh ouais, mais t'es piqué, mon pote, t'es piqué. Cherche pas. Ne cherche pas, ça y est, t'es fatigué. Oh, il m'a dégueulassé tout mon badling. Oh. Ah bah décroché. Ah, oh, je suis deg. Il était piqué vraiment sur le bord de... Je vais pas dire de la lèvre, mais... Ah, oh, je suis deg. Il était piqué sur le museau. Et je crois qu'il vient de se terrer dans les branches là-bas. Regardez comment ça bulle. Bon, bah, ils veulent de la vibration apparemment. Et mais le combat qu'il m'a mis, il est pas gros. Hein. Mais il me l'a mis sévère. Et c'est ça qu'on cherche. Bon, en tout cas, c'est un poisson qui fait plaisir parce que. Hop. Depuis l'ouverture carnassier donc du 24 avril. Et ben, il n'y a pas moyen de taper un beau poisson. Donc celui-là, je sais pas, il devait faire un petit, pense un petit 80. Bon, bon combat là, dès le matin. Et bah ça fait quoi? Ça fait le temps que je descende, ça fait 10 minutes. Ouais, un quart d'heure, 10 minutes de pêche. Donc ouais, c'est cool. Ça c'est cool. Bon, bah il voulait de la cuillère, qui a perdant. Voilà, ça fait le taf, terminé. Poisson. Oh non! Ah, je suis deg! Non, 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 non! La carpe là, remontée, c'est où ça? Regardez-moi ça quand que c'est beau! Allez, mes mères! Allez la mémère. T'y es presque.
Quel spectacle! Regardez-moi ça! Oh la furieuse! Ah, c'est chelou qu'elle. Qu'elle se déplace comme ça là dans peu d'eau. Ouais, ciao. Wow, il y a un combat là-bas. Il y a un combat de je ne sais pas quoi. Wow, c'est quoi ce bordel? Regardez-moi ce sweat. Ouais, c'est des carpes encore. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si je. Ouais, si, franchement, je pense qu'elles sont en. Elles sont en train de frayer. Elles sont collées les unes aux autres. Ouais, je pense que je suis en train de tomber sur une fraie de carpe. Et il y a des morceaux. C'est énorme, énorme. Ah, je vous jure, du grand spectacle, les mecs. Il y en a partout. Là, je regrette quand même de ne pas avoir mes polarisantes. Mais malgré que je vois très bien. Ah, au loin, quand j'ai eu le bordel, je pensais que c'était un silure qui était en train de bastonner avec un. Je sais pas, un canard. Oh, le bordel qu'est fond. C'est la première fois que je tombe sur un truc comme ça. C'est énorme. Énorme les mecs. Clairement, je comprends maintenant pourquoi j'ai. Je voyais les carpes quand je suis arrivé sur le spot, qui était dans très peu d'eau à la surface et que j'en voyais en ombre. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est. Elles sont en période de frais. Donc, c'est marrant, c'est sympa à voir. Franchement, c'est sympa à voir. Je vais rentrer parce que je vais pas insister. J'ai vu qu'il y avait pas mal de zones en fait où les carpes étaient. Je pense vraiment qu'elles sont en frais. Donc voilà, comme elles sont toutes rassemblées, j'ai pas envie d'envoyer et puis d'en arponner une. Je vais essayer de faire leurs petites affaires. Donc là, je vais pas insister tout simplement. Voilà, j'aurais vu au moins du beau spectacle. Je vais remonter pépère. Bon, voilà, fin de session. Petite journée sympa. L'objectif était quasiment atteint parce que du coup, je tape un silure. Il faisait peut-être un mètre. Bon, il se décroche sur le bord. J'avais pas pris mon épuisette parce que je me suis dit, la dernière fois que j'ai tapé un silure, de toute façon, il rentrait pas dedans. Donc je me suis dit, je vais pas la prendre. Et du coup, ça m'aura peut-être sauvé. Et puis, j'aurais peut-être pu le sortir et vous le montrer. Mais bon, c'est pas grave. Et bah, du coup, en échange, voilà, je suis tombé sur un beau spectacle. Je pense que c'est des carpes en frais. Donc c'était vraiment génial. Je suis resté un petit bout de temps à les observer. Et vraiment, du très beau spectacle. C'était vraiment cool. Donc voilà, c'est la nature, c'est comme ça que ça se passe. Sur ce, bah, si ça te dit de continuer de suivre les aventures, bah, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as aimé cette petite vidéo, ce petit contenu, t'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Et n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, puis j'aime bien vous répondre et j'aime bien vous lire. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao !